Du coup, les gars, Fortnite, ils m'ont envoyé plusieurs choses, déjà des trucs IRL, voilà ça. Et ils m'ont envoyé aussi d'autres trucs, des cosmétiques dans le jeu, donc les trucs IRL qu'ils m'ont envoyé. Donc j'ai pas eu le temps de le faire, mais ils m'ont envoyé tout simplement ça. Donc c'est un truc à monter soi-même. Donc voilà, un petit objet comme ça. Si j'ai le courage de le monter, je vous mettrai une photo sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta, je mettrai sûrement une photo. Donc c'est en gros une mini figurine à plier, voilà. Et ils m'ont envoyé un autre truc qui est beaucoup plus gros. Cette fois-ci, c'est en gros un masque d'arachné. Voilà, bref, si j'ai le courage, pareil, je vous mettrai une photo sur Instagram de le monter, mais je peux vous mentir, c'est assez long, donc voilà. Si j'ai le temps, je le ferai, si j'ai pas le temps, je le ferai pas. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, je mettrai peut-être une photo. Et maintenant, on va passer au plus intéressant, qui est les skins. Du coup, les potes, bien évidemment, je vous montrerai le skin à la fin. D'abord, la hutte maléfique, donc voici l'animation. Attendez. Hop là, hutte maléfique, donc l'animation est plutôt pas mal, en route pour le prochain sabbat. Mais j'ai pas le temps de dire, non. Attendez, tac. En route pour le prochain sabbat, disponible depuis chapitre 2, saison 4. Donc voilà. En vrai, elle est très très sympa. Ensuite, le balai. Donc c'est le balai ensorcelé. Donc il est en rare. Voici le bruit qu'il fait. Voilà, petit balai ensorcelé. En vrai, ça va. Atypique, les petites pattes de poulet, les champignons. Ensuite, le sac à dos. Le sac à dos, donc il s'appelle Grigou. C'est un accessoire qui est aussi rare. Il n'y a que lui qui est épique. Hein. Et donc c'est un. Alors, ah, on peut zoomer, j'ai pas eu. C'est un petit corbeau avec une pièce dans le. Ouais, une espèce de pièce dans le bec. Donc voilà, donc en vrai plutôt stylé. Et les gars, le skin incroyable, magnifique, qui n'est pas encore dans la boutique, les gars, qui n'est pas encore dans la boutique. C'est-à-dire, regardez, je vous montre quand même qu'il n'est pas dans la boutique. D'ailleurs, si vous souhaitez l'acheter, ou même si vous souhaitez acheter d'autres choses, n'hésitez pas à mettre le code créateur Cocteau. Cocteau, majuscule, minuscule, comme vous voulez. En tout cas, on est bientôt 1000 soutiens. Et ça me ferait extrêmement plaisir, sachant que ça me soutient beaucoup. Donc n'hésitez pas à mettre le code, tout simplement. Vas-y, je sais pas parler, c'est incroyable aussi. Je bégaye toutes les 2 secondes. Donc casier, ici et là, normalement, on va avoir le skin qui s'appelle. Alors il est rare, il va falloir que je le trouve maintenant. Il est juste ici, les amis. Baba Yaga, si vous entendez ses pattes de poulet fuyez. En vrai, plutôt stylé. Beaucoup de gens ont dit qu'il avait mon nez. En vrai, elle a pas mon nez, non. Moi, je suis un. Oh, vous êtes bizarre, mais non, pas du tout. En vrai, elle est stylée. Honnêtement, c'est pas un skin que je vais porter en mode tryhard, etc. Mais c'est un skin qui est honnêtement, qui est un bel univers, quoi. Genre, il rentre bien dans l'univers, champignons, avec des pattes de poulet et tout. Franchement, très stylé. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Moi, je vous laisse, les gars, avec des mecs qui étaient en mode, mais what, comment t'as fait pour avoir le skin? Et quelques games en arène pour voir comment ils donnent. Bref, c'était Cocteau. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre. Et les gars, sur TikTok, il y a plein d'infos, plein de trucs. J'ai 2 comptes TikTok. Un compte TikTok personnel où je mets plein de TikTok drôles. Et un deuxième TikTok Cocteau Best Of. Tout simplement, où il y a les meilleurs clips, des trucs en avance comme ça. Donc n'hésitez pas à aller me follow, c'est en description. Voilà, voilà. Bon visionnage. Regarde. Tu le trouves comment? C'est quoi ce skin? T'aimes bien? T'as vu? Comment tu l'as eu? C'est Fortnite qui me l'a envoyé. Ah, t'es. Mais t'es pas un youtubeur? Si, si. Ah, mais c'est toi qui es connu? Ouais, je suis connu pour être. En fait, je me suis qualifié une fois à la World Cup. Moi, c'est Cocteau, moi, je me suis qualifié une fois à la World Cup. Et du coup, c'est pour ça que je suis connu, mais c'est vrai que là, en ce moment, je suis un. Ah, non, 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 je me suis fait ban de ma. Tu vas la. Tu mets qui comme code créateur toi? Tu mets Michou? Non, pas Michou. Tu mets qui? J'en ai. Bah, normalement, je mets mon code de ma team, TNR. Mais là, je l'ai pas mis. Mais mon code que je mets parfois, c'est Nextage. Ah ouais, bah ouais. Toi, tu t'es déjà mis en code créateur. Jure? Ouais. Bah, faut que tu me mettes, hein. Faut pas mettre Nextase. Ah ouais, je fais des concours de skins. Oh là là, nickel le petit brain. Oh là là, c'était ma bro, j'ai eu la pire aim du monde. Hein. Mais comment il savait? Quoi? Quoi? Mais comment? Quoi? Comment il a fait pour savoir?
Du coup, les potes, si la vidéo vous a plu et que vous avez kiffé les skins, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Perso, moi je trouve qu'il est plutôt kiffant. Après, à jouer, il est peut-être un poil gros, un peu trop volumineux. Mais sinon, merci beaucoup à Fortnite de me l'avoir envoyé. Ça fait plaisir. Comme je l'ai dit, et je le répète jamais assez, 70 000 abonnés, la vidéo c'est top. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur TikTok, parce qu'en ce moment je suis pas mal actif. Et demain, je ferai mon retour sur Twitch, tout simplement le dimanche. Dimanche matin, je sais pas quelle heure sortira cette vidéo. Bref, c'était Cocteau, merci à tous de m'avoir suivi. Je vais essayer d'avoir le courage d'aller monter mes... Les gars, je vais essayer d'avoir le courage d'aller monter ça là. Et je vous mettrai les photos sur Instagram, mais honnêtement, j'ai pas trop le courage.